comité dialogue interfemme nan qui gen ti non jwet li di fe l'a informé toute organisation femme ak féministe qui a travaillé nan participation politique femme que lui recevoir une correspondance hier jeudi a qui était 11 juillet 2024 là dans l'idée pour lui organiser processus qui pour aller chercher femme qui peut représenter mouvement femme haïtienne là pour aller dans conseil électoral provisoire. Processus ça li supposé mener à en collaboration avec femme yo là. C'est deux structures ça yo mandé qui pour mettre ensemble qui pour faire processus là avancer. Nous dit que c'est notre objectif ça que nous bail point de presse ça matin. Un jour après que nous recevoir correspondance là pour nous fermer tout le monde. Organisation femme yo surtout pour nous inviter au plus vite inscrit parce que c'est très important. Élection qui pral fait c'est organisation femme yo qui gè pour voter qui pral choisir qui femme parmi candidat yo qui pral vinn inscrit que pour qui est y a voter. C'est un processus que qui a fait dans toute transparence pour que moun organisation voter a c'est non ça qu'a joine CPT. N'a pas un comité électoral et nous pral gagner tout en commission de moun k'a voyager garder ça nous rele observation hein. Et pour que nous sûr que processus là il fait sans force côté l'aide ça que vous voyez by deux structures ça yo yo copier à quatre autres organisations qui c'est SOFA, CAI Femmes, FEDOFET, Femmes Engagées donc yo copier yo voyez le bayo donc c'est sûr que processus là pour organiser par et dialogue interfemme et femme yo là groupe mesdames ça yo voyez yo dit mais qui monde que CPTA et choisi qui pour organiser processus là. Mais mesdames ça yo tout organisation ça yo gagé pour vous regarder dans processus là qui j'ai la pour